je n'ai jamais aimé. D'une économie balbutiante. N'étant pas homme à dire ce qu'il faut faire, mais par mon intrusion cérébrale, fait avérer de mon intuition, qui n'est point une injonction, plutôt un trait d'union qui n'est autre qu'un trait de caractère propre aux autodidactes, qui ont la fâcheuse habitude d'aller toujours au bout des choses une fois lancées. N'agissons point sous la contrainte, et encore moins par mimétisme. L'autodidacte est un homme suffisamment exigeant, qui de facto fait réfléchir plus d'un, par son investigation qui n'est ici qu'une simple métaphore. Véritable arme de pointe, arme de dissuasion massive par l'argumentaire, interpelle les consciences par sa détermination afin de mieux les sensibiliser sur les dysfonctionnements de nos différentes institutions et sociétés qui vont à l'encontre des valeurs universelles. Faire de lance des Nations Unies et par la même occasion créer des tensions à tout va entre les gouvernants et les gouvernés, tout en jetant l'opprobre sur la justice et l'égalité de droit. D'où l'acharnement pour les uns de réajuster le tigre afin de tirer le diable par la queue. Ce casse-tête chinois qui nous empêche de dormir, et pour d'autres de tout faire pour ne rien changer, pour qu'il continue à se la couler douce. Un véritable drame shakespearien, d'où la difficulté d'une bonne lecture de l'autorité et plus particulièrement de l'autorité publique. Pour certains, l'autorité publique passe exclusivement par la crainte des institutions, voire du parti qui la remplace. Pour en avoir fait main basse, et pour d'autres, par la confiance que leur inspire celle-ci. Deux visions diamétralement opposées qui font le bonheur des opportunistes, de ces opportunistes qui font la pluie et le beau temps, sans le moindre état d'âme. Par ce temps de crise et de temps de crise, où chacun se voit monarque par la plus belle des arnaques, simplement parce que notre attention est plus focalisée sur la déroute financière des États dits modèles, ces grands de ce monde, loin d'être une crise financière mondiale, mais qui, par leur ramification occulte, provoquent un effet domino par lequel ils entraînent le reste de l'humanité. Que cache en réalité cette volonté, autant économique que politique, de vouloir à tout prix tout remettre en cause? Que veut-on réellement assainir dans cette vision tragicomique et triangulaire? Tragicomique
parce qu'elles nous amusent par leur discours à dessous. Triangulaire, par son volet qui va de la politique à l'économie et au coup près des plus manipulables que nous sommes. Nous autres dindons de la farce, aussi bien farcir pour un dîner. Quand nous parle-t-on de la crise? Oui, mais juste de quelle crise? De ce comportement anormal par quoi on blâme le petit peuple? Quoique majoritaire en nombre, mais maintenu dans une asphyxie économique anormale, sans doute voulue par le système afin de mieux contrôler là où la population, par les contraintes qui lui impose. Crise, comportement rebarbatif, injustement sécurisé par l'élite, a longtemps été visible dans les pays du Sud, qui s'en sont finalement accommodés, bien malgré eux, qu'en Occident. D'où mes interrogations sur cette valse de mesures contraignantes à l'échelle continentale. Qui vise-t-on réellement? Dans cette partie d'échec à la Kasparov, où les nerfs sont mis à l'épreuve, est-ce bien le petit peuple? Ou encore un de ces jeux de plus subtils, par quoi on fait main basse à certaines institutions et pays afin de mieux contrôler l'économie mondiale par un coup de maître à la OMC, considérant OMC comme étant là qu'une filiale qui sert les intérêts des grands de ce monde, véritable succursale, par quoi on nous feinte. La stratégie de la crise peut aussi avoir pour objectif de couper court aux aspirations de ces peuples dont dépend la vitalité économique de trois quarts des grandes nations. Il ne faut pas que certains de ces pays dits émergents tombe dans le panneau de ramasse-miettes qui ne serait là que du lèche-vitrine, sans véritable suite logique. Ces pays doivent exiger en contrepartie un accompagnement sans entourloupe. Vu à la loupe, des profonds changements dans les acquis de droits sociaux dont le peuple en serait les heureux bénéficiaires. L'Afrique ne doit pas se laisser prendre à ce jeu, minable sans doute, par quoi on les divise pour mieux les gérer par la suite. L'unité doit toujours se faire autour de l'intérêt général, autour des vraies valeurs, et de ces aspirations qui sont des droits inaliénables à tout individu et de surcroît à chaque peuple.